Il y a un de nos internautes qui m'a posé la question à savoir pourquoi est-ce que je devrais investir? Quelle est la raison pour laquelle je devrais investir? Aujourd'hui, je vais te donner trois raisons pour lesquelles tu dois absolument commencer à investir, même si c'est 5 000 francs, c'est-à-dire 10 euros par jour, pour juste commencer à acquérir certains biens. Donc, la première raison pour laquelle tu devrais commencer à investir, c'est juste pour préparer tes vieux jours. Si tu ne commences pas à le faire maintenant, ça veut dire que tu creuses ta tombe financière. Tu creuses toi-même ta tombe financière. Ça veut dire que d'ici quelques années, tu vas te retrouver dans des difficultés extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées. Pour avoir accompagné, pour avoir vu pas mal de transactions, moi je vous dis carrément qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Il y a des secteurs d'activité qui sont encore vierges. Par exemple, prenons l'exploitation agricole. Moi je dis toujours que c'est vierge parce que moi je vais très souvent dans les régions. Et je vois des choses qui sont extrêmement, extrêmement. Je dis, it's huge. Les opportunités, elles sont juste terribles. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, investir, ne serait-ce que même 10 000 francs. Avec 10 000 francs par jour, vous vous retrouvez à la fin du mois avec quoi? 300 000. Avec 300 000, vous pouvez commencer quoi? Une activité agricole. Soit commencer à faire des tomates, ou bien même commencer à avoir un business d'élevage de veau. Je vais vous mettre le lien ici. J'en ai fait une vidéo complète avec mon partenaire qui vous a expliqué comment est-ce que le business des veaux, il fonctionne. Donc, on a ça aussi. On a quoi? On a tellement d'opportunités que vous pouvez investir. La deuxième raison pour laquelle vous devez commencer à investir, c'est juste pour préparer votre famille. Pour préparer votre famille. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, on doit remplacer soit nos parents ou bien ceux qui ont été là pour nous durant notre jeunesse. Donc, on doit avoir plusieurs sources de revenus. Plusieurs sources de revenus. Je ne cesserai de le dire. Les sources de revenus, elles sont extrêmement importantes. Il faut avoir deux, trois, quatre sources de revenus. Au Sénégal, on appelle ça quoi? Les kharmat. S'il faut que tu aies quatre kharmat, il le faut. Il le faut. Et en plus, je le dirai tout le temps. Internet, Internet, Internet. Internet, Internet, Internet. De chez toi, tu peux travailler. De chez toi, tu peux faire des prestations. De chez toi, tu peux prospecter. De chez toi, tu peux tout faire maintenant. Tu peux tout faire. À défaut d'aller en présentiel, c'est-à-dire des rendez-vous physiques. Mais tu peux tout faire. Tu peux démarcher tes clients. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Moi, je fais tout grâce à Internet. Et ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, la troisième raison pour laquelle, pour moi, tu devrais commencer à investir dès à présent, c'est quoi? Pour vraiment te préparer dans le futur. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous tous on aime la belle vie. Nous tous on aime la belle vie. On aime les tchatchés. On aime avoir voilà, de l'argent, se mettre à l'abri, ne plus avoir à penser à certaines choses qui vont vous stresser ou quoi que ce soit. Non. Donc si tu commences à investir maintenant, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui va investir pour acheter par exemple 4 terrains. Il achète chaque terrain à 250 000, 250 000, 250 000. Donc, ce qui lui fait 1 million. Et je vous dis, chaque 3 mois, le business des terrains, le business de l'immobilier, après on va en faire une vidéo complète, le business de l'immobilier, chaque 3 mois, la valeur des terrains, ils lui sont multipliés par 2. Chaque 3 mois, je vous dis bien, chaque 3 mois. Donc, quelqu'un qui achète un terrain aujourd'hui, un lot de terrain de 4 terrains, par exemple, il les achète à 1 million. 3 mois après, il va se retrouver avec 2 millions. 3 mois après, il va se retrouver avec 4 millions. Donc, c'est comme ça. Le business de l'immobilier, il est extrêmement lucratif. Pour peu de gens qui le connaissent ou bien pour peu de gens qui se sont lancés là-dessus, vous pouvez faire beaucoup d'argent là-dessus. Vous pouvez faire beaucoup d'argent là-dessus. Et puis quoi? C'est quoi? Ça demande un investissement minime. On dépense tout le temps de l'argent sur des choses qui peuvent être évitées. Alors que ce sont des choses qui ne sont pas prioritaires. C'est à vous de revoir vos priorités et de voir comment est-ce que vous devez investir votre argent, oui ou non. Donc ça, ce sont les 4, 3 raisons pour lesquelles vous devez déjà commencer à investir dès à présent. À vous dire, c'est-à-dire, on a créé une formation sur la vente. Si réellement tu as un small business, tu as un petit business ou bien tu fais du business en ligne, donc on a une formation dédiée à la vente. Une formation dédiée à la vente, je le répète. Dans cette formation-là, vous allez acquérir les bases de la les bases de la vente. C'est important, c'est important, c'est important. Moi, je pense que sans vente, le monde, il ne tourne pas. Sans les commerciaux, le monde, il ne tourne pas. Ce sont ceux qui sont capables de vendre. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, tout ça, ce sont des gens qui se sont perfectionnés en vente.
toutes ces grosses fortunes-là, elles se sont perfectionnées en vente. Donc, si vous voulez vraiment profiter de cette offre-là, pour le moment, jusqu'à la fin du mois, on est en réduction, c'est-à-dire moins 50%. Moins 50%. Donc, si vous voulez profiter de cette offre-là, il faut juste aller au niveau de la barre de description, cliquer sur le lien et puis remplir le formulaire. Après, une personne de nos équipes va vous contacter pour éventuellement vous donner davantage d'informations.